bienvenue au centre de secours principal de Mittelberg. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce mercredi, du coup, en sapeur-pompier. Dans cette petite vidéo, deux ou trois petites missions qui vont nous attendre. Je n'en dis pas plus, et bien évidemment, on va attendre le bip pour décaler. Mais avant toute chose, je tenais à préciser que dans cette vidéo-là, il n'y aura pas que des véhicules français. J'ai fait un peu un panache de différents véhicules du coup de secours. Alors c'est généralement du véhicule allemand du coup, avec le nouveau camion 2020 du coup. Celui-là vous l'avez déjà vu je pense sur les groupes, s'il y en a qui s'intéressent bien sûr aux véhicules de pompiers. Un véhicule 100% électrique. Très sympa, on va faire un petit tour après avec, juste pour l'essayer, pour faire une petite mise en jambe dessus. Mais en tout cas, dans cette vidéo-là, effectivement, il n'y aura pas que des véhicules français. Il y a notamment des véhicules allemands, du coup, donc pour la petite EPA et pour un petit FPT. Voilà, donc il n'y a vraiment que deux véhicules, on va dire, allemands qui se sont greffés à ce centre de secours. J'aurais pu en faire une histoire en disant que c'était une caserne franco-allemande où des véhicules allemands et français sont dessus. J'ai préféré la jouer plus sobre en vous disant, voilà, il y aura deux véhicules, un FPT, une EPA. Mais en tout cas, un réel plaisir de vous retrouver sur ce magnifique centre de secours qui est vraiment très joli. Donc on est sur une carte allemande, les amis, très sympa, hein, du coup, qui est, on va dire, affilié au secteur autoroutier, zone industrielle, zone pavillonnaire. Donc voilà, une carte qui fait vraiment les deux, qui est vraiment super sympa, déjà avec le décor, le paysage qu'on a, et cette ambiance du pays allemand, du coup, hein, où tout est propre et tout est bien orchestré, du coup. Donc voilà, c'est vraiment un réel plaisir de se retrouver là-dessus. Bien évidemment, à savoir que sur cette carte-là, il y a beaucoup de points d'interaction, du coup, hein, qui font que cette carte n'est pas du tout inintéressante, loin de là, vraiment très intéressante. Elle n'est pas vraiment une carte morte, donc on a pas mal de petites choses à faire dessus. En parlant du centre de secours, revenons à la principale de cette vidéo. Centre de secours qui est super sympa, super joli, avec des portes qui s'ouvrent vitrées, donc entièrement vitrées, donc on voit vraiment tous les véhicules de l'extérieur, hein. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli, j'aime bien moi quand la caserne est et avec des vitres, c'est aussi déjà beaucoup plus lumineux. Vous avez le point d'accueil qui est ici. Alors on va faire un petit tour vite fait, je vais vous la montrer quand même. Je ne suis pas comme ça. Faisons les choses bien, dirons-nous. Hop, tac. Hop. Donc une assez grande caserne, hein, pour le coup. Donc il y a pas mal de sapeurs qui sont dedans, volontaires et professionnels bien évidemment. On ne les oublie pas, surtout en ce moment avec les incendies. Donc voilà, encore une fois, courage à eux, force et honneur. Petit vestiaire qui est ici, plutôt un petit vestiaire assez sympa. Voilà, un petit vestiaire très classique, on va dire aussi, hein, accessoirement. Le hall du coup des départs, hein, du coup, c'est ici où sont pris les fiches de route pour aller sur les interventions, donc les fiches d'intervention plutôt. Ici, on a un lit. Voilà. Ici vous avez, si je la connais pas, ici vous avez une pièce vide. Ça fait longtemps que j'ai plus joué sur cette carte. Là pareil, petit bureau. Voilà. Petit coin wifi du coup aussi. Wifi détente, hein. Ça c'est l'autre porte qui amène la partie. Voilà. On a un petit ascenseur. Là on arrive au dessus, vous avez donc du coup pareil un bureau encore ici. Là, il y a des endroits où on peut pas rentrer, hein, je vous le dis. Ici vous avez l'espace repas, de détente du coup avec les distributeurs, le petit lave-vaisselle, voilà. Donc là c'est vraiment pour manger, pour se faire plaisir. Ici pareil c'est une pièce vide. On a fait, c'est l'ascenseur. Ici pareil, un deuxième petit bureau. Alors il y a pas mal de bureaux par contre, j'ai remarqué. Ici vous avez le centre opérationnel avec la vue sur les hangars. Du coup, je vous montrerai après, c'est plutôt assez intéressant ce petit centre. Et ici pareil, encore des bureaux. Alors, ici, si vous voulez, en gros,
ici, c'est un peu déjà le centre de voilà. Je vais la refaire. Le centre d'appel, du coup, de gestion de secours, hein, et puis aussi gestion de crise, hein, s'il devait y en avoir une. Donc c'est ici où tous les appels sont recensés et là où, bien évidemment, on fait partir tout ce qui est effectif. Voilà, c'est aussi pour ça. Donc là, on reçoit tous les appels avec un petit vidéoprojecteur, plutôt sympa. L'issue de secours ici, voilà, pour sortir. Et là, vous avez 1, 2, 3 et 4 petits boutons. Là, vous avez pu voir, j'ai appuyé sur un bouton, donc ça, c'est l'alarme incendie. Comme ceci. Et ici vous avez différents petits activations. Donc là vous avez une activation tout ce qui va être risque chimique ou Covid, un des deux. Ici on a les départs ou la sirène plutôt. Ici, vous avez le risque d'inondation. Je vais vous le montrer. Ouais, vous le voyez, il y a de l'eau, hein, entre les barreaux. Ça se voit, donc on va même le voir dans la réserve. Pour le coup, on a remis. Et il y a de l'eau. Les véhicules sont sous l'eau. Alors, vous le voyez là-bas. Ça, on peut voir un petit scénario. Ça, c'est l'alarme générale du coup, hein, s'il y a, y a quelque chose de très grave. Hein. Donc, chez nous en Alsace, elle sonne tous les premiers du mois. On a le droit. Après, je sais pas si dans les autres départements ça se fait, mais en tout cas chez nous, tous les premiers dimanches du mois, on a les alarmes de toutes les casernes qui sonnent du coup. C'est un peu le côté assez intéressant de la caserne, c'est vraiment on peut interagir sur cette caserne là, on n'est pas juste dans un bâtiment tout mort. Hein. Et alors quand je vous disais oui effectivement que la carte on peut vraiment interagir avec, c'est juste pas une carte et puis elle est morte, et ben j'ai juste vous montrer du coup ce qu'on avait vu avant. Ah, d'accord, on est nouveau là. Oh pas là ça sort. Donc voilà, je vais vous montrer. Ça voilà, c'est genre un feu de conteneur. Et là, vous avez un accident, par exemple. Donc ça peut être super sympa, ça peut être super bien fait. Hein. Moi, je le mets rarement devant le poste de secours parce que ben voilà, c'est pas le lieu. C'est sûr, c'est pas le lieu ni l'endroit pour le faire. En tout cas pour avoir ce type d'accident. Bien évidemment, vous avez largement la place pour faire aussi atterrir un hélicoptère. Hein, donc après, ça c'est à vous de gérer. Hein, mais voilà, on peut aussi se dire on fait atterrir un hélicoptère sur cette case. Alors, on va vite faire prendre ce petit camion. Donc vous voyez, hein, donc déjà il faut avoir le simple IC. Si vous ne l'avez pas, les amis, autant vous dire que le camion est complètement inutile. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez plein de petites interactions en fait, vous voyez. Vous pouvez entrer dedans, hein. Ça, c'est vraiment, il est vraiment super sympa, il a vraiment été bien pensé ce camion. Il est vraiment plutôt joli, très modulable. Donc, on peut tout ouvrir, on peut ouvrir les rideaux. C'est super sympa. L'intérieur est plutôt bien fait. Les 3D dedans sont bien représentés. Si vous ouvrez à l'arrière, donc, on peut avoir tout ce qui est turbopompe et les vannes. Hein. Voilà. Ah, c'est pareil, donc en fait, c'est des petits boutons. Hein. Vous appuyez ici, hop, tac. Vous appuyez deux fois. Vous arrivez à faire les deux en même temps. Moi, j'arrive pas. Donc, tout ce qui est cône, voilà. Ventilation. Voilà. Hop.
plutôt sympa comme petit camion. En tout cas, moi j'aime bien. On va tous refermer et puis on va aller faire un tour avec. Donc c'est un électrique, donc c'est plutôt. Alors, je sais pas si c'est vraiment plutôt bien ou pas d'avoir un camion électrique. Ça, encore une fois, c'est tout à chacun son avis. Moi, je me dis pour les villes, quand le soir t'interviens, bon bah voilà, ça évite d'entendre le camion tourner. Ça peut être quand même intéressant. Après, je pense que ça a une durée aussi de temps et de. Ouais, et de. Comment vous dire, de temps et puis de durée de vie au niveau des batteries. On a tout fermé, j'ai fermé les portes. Je peux encore fermer le petit volet qui est là. Donc l'intérieur est plutôt bien fait. C'est aéré, c'est propre. C'est plutôt sympa. Donc là le camion est allumé, hein, vous avez vu. Hein. Aucun bruit à part ce petit bruit là. Qui on dirait une petite soucoupe spatiale. Donc un écran assez grand quand même au niveau du tableau de bord, hein, donc on a quand même une belle surface d'interaction, le GPS à côté. Donc là c'est vraiment pour vérifier tous les équipements du véhicule, hein, tout simplement. Donc là on est en marche avant, et on peut aller en marche arrière. Donc là c'est une boîte auto, hein, bien évidemment. Là, je sais que je crois que les pompiers de Paris en ont commandé un. Alors, je découvre des choses un peu comme vous. C'est les sirènes, du coup. Voilà. Et alors, petite nouveauté sur ce véhicule. Donc, ici, hein, vous avez donc l'intérieur en vert. Alors, ça, c'est spécifique allemand, je crois, il me semble. C'est vraiment que chez eux que vous aurez ça. Et là vous avez la possibilité du coup de le surélever. Voilà. Si jamais il y a des endroits un peu plus compliqués à passer, et bien tout simplement vous pouvez surélever votre véhicule. Je trouve ça plutôt pas mal. La rampe des gyrophares, déjà qu'on me demandait, en fait, voilà ce que ça peut donner. Pas très fou, hein. C'est un peu côté allemand, voilà, c'est pas clinquant comme en France, hein. Donc c'est sirène allemande, on s'est compris. Mais je trouve que ce camion là a vraiment de quoi séduire. Parce qu'il peut vraiment passer un peu partout. Pour moi c'est un camion périurbain, on va dire. Semi-urbain, très clairement. Je le verrais mal dans les feux de forêt, bien évidemment, hein, déjà que les batteries, imaginez le truc. Et puis je pense que celui-là, dans les petites communes ou vraiment les petits arrondissements, moi je pense qu'il peut être, vachement sympa, vachement original. Et il peut vraiment passer un peu partout. Il est un peu moins compact que les gros camions qu'on a actuellement. Donc, s'il reste son gabarit quand même assez important. Donc voilà, c'était quand même pour vous le présenter. Vous retrouvez bien évidemment ce petit mod sur le site kingmod.fr. Bien évidemment. Tapez fille ou pompier et puis vous le trouverez avec les mots-clés. Et voilà. Allez les amis, on y va, on décale, du coup on a été appelé du coup en renfort pour l'instant avec le PA sur un feu de pavillon, du coup avec risque de propagation sur du coup le reste d'une maison. On a déjà un équipage d'un petit CPI qui est déjà arrivé sur place, donc bah, du coup on va y aller aussi directement. Le PA 04 du coup prend en départ suite à l'appel renfort du coup sur feu de propagation du coup, et on part du coup sur place.
pas mettre les deux ponts parce que les deux ponts ce sont des deux ponts allemands. Mais bon, cette EPR est tellement belle que je pouvais pas ne pas la prendre en fait, très clairement. Je vous avoue que mon choix aurait été très douloureux si j'avais pas pu le faire. Ne pas la prendre, mais si. Je vais enlever ça par contre. Je voulais plus. Déjà la police municipale qui est sur place aussi, qui a bloqué un peu la rue. C'est une rue piétonne du coup, il n'y a pas d'accès au niveau des véhicules. Logiquement non. En face, c'est bien. Le PA04 arrivé sur place prend contact avec les équipes déjà sur intervention. Ouais, du coup on décale aussi, on va aller en renfort parce que je pense qu'ils vont pas réussir avec le petit camion qu'ils ont là. FPT-01 du coup prend départ et rejoint les équipes sur le feu de propagation pour du coup un renfort et assistance. Donc, je vais vous prendre un peu la graisse et puis ça mais à un moment. Il est super bien fait aussi, l'intérieur est super beau. Petit Mercedes. Donc, c'est pour ça aussi parfois que je prends d'autres véhicules allemands parce que parfois ils sont plutôt bien réalisés. Propre. Voilà, comme dit. Après ça reste le même esprit, hein. Un camion rouge, les gyrophares bleus, voilà, les mêmes vocations, le même métier, donc après c'est juste le nom qui change, hein. Sinon ça reste la même chose. Il envoie de la patate en plus. Ouais, FPT-01 du coup arrivé sur place, hein. On va mettre là la rigueur ici, et si on doit établir une arrivée au premier. Alors, avant de reprendre la vidéo, petite quand même, parce que les vidéos ça sert quand même aussi à apprendre des choses. Alors il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent peut-être pas, mais je voulais quand même vous faire une petite leçon en parenthèse les amis. Mais vous savez que chez les pompiers, il y a plusieurs types, enfin il y a une lance qui fait plusieurs actions j'ai envie de dire. Et je vais vous les montrer du coup, et accessoirement on a donc la LDV du coup, hein. Donc à débit variable les amis, donc celle-ci c'est la mousse extinctrice du coup, hein. Donc, la mousse extinctrice du coup c'est sur les feux on va dire industriels ou des feux
type de pneus qui brûlent ou autre. Donc ça sert en fait tout simplement à étouffer le feu. Du coup, ça ne l'éteint pas, bien évidemment, c'est juste ça l'étouffe, donc ça permet au feu quand même de réduire de on va dire de puissance. Ensuite, vous avez la LDV lance à débit variable, donc soit la LDV donc 500 ou la LDV 1000 avec le jet de protection. Du coup, donc ça c'est pour protéger le sapeur qui éteint du coup les flammes. Donc ça permet, si jamais il y a des gros feux, du coup, de se protéger des retours, on va dire, de chaleur du feu. Si je me trompe et si je m'abuse, corrigez-moi en commentaire. Vous avez la LDV, du coup, à débit variable en jet diffusé d'attaque, du coup. Hein. Donc ça, c'est pour avoir un angle, on va dire, à 40 degrés, pour avoir un angle d'attaque un peu plus grand. Vous avez, donc celle-ci, c'est la mousse, hein, du coup, celle-ci-là, pardon. Donc, avec du coup de la mousse extinctrice, de l'eau, des bulles, du coup, et du liquide savonneux. Et vous avez ici la LDV, donc du coup, hein, jet de bâton, du coup. Donc ça, c'est vraiment pour faire, on va dire, l'extinction chirurgicale, hein, du coup. Donc ça sert quand même aussi. Voilà à peu près ce qu'on peut avoir, du coup, au niveau des lances à incendie. Celle-ci et celle-ci-là, effectivement, sont la même, je viens de m'en rendre compte. Mais voilà, c'était, je pense, aussi assez important aussi de le préciser. Les vidéos ne servent pas non plus qu'à faire des vidéos, ça sert aussi à apprendre des petites choses. Donc voilà, j'espère que ce petit point, j'ai envie de dire, connaissance ou alors quiz, vous aura plu. On continue la vidéo. Allez, du coup, on est parti, les amis. Je vais me placer avec le PA. Je vais éviter d'embarquer la Mumu avec. Ce serait bien. Ce serait peut-être même pas mal. Ah, on manœuvre un peu dans des endroits un peu tendus. On va se mettre ici. Il faut un peu d'aide parce que je ne peux pas faire ça le plus vite. Vous pouvez tout ouvrir, hein, pareil aussi les volets. On peut se faire plaisir. Elle est fonctionnelle cette petite. Alors je sais pas si c'est une EPA ou une EPC, il faudrait que je vérifie quand on va faire la mise en forme. Par contre j'ai des patins qui sont pas sortis ici. Si les patins sont pas là, ça va être un peu compliqué quand même. C'est bon. Donc toujours du genre du produit désinfectant. Vous voyez, vous pouvez vraiment l'ouvrir partout. Il y a vraiment partout des caches pour ouvrir ces petites échelles du coup. C'est plaisir. Voilà. Là on est au poste de l'échelle. Il y a encore une possibilité de l'activer des choses. J'ai juste pas pu activer le panier. Bien, ça tient sur une strat en fait. C'est la première fois que je la pilote. Hein. Je crois que c'est une PC. Ouais. J'étais pas sûr, hein, mais c'est la première fois que je l'essaye d'ailleurs. C'est la première fois que j'ai un type de modèle comme ça déjà. Ouais, je pense bien que ça va être bien. Ça va bien, ça. C'est la première fois que j'ai ce type de chose.
assez intéressant. Alors on va essayer de voir. On allait dedans. J'ai vu qu'il y avait possibilité. Mentir. Alors, c'est pas mal, alors c'est vraiment pas mal. Vraiment. On se voit avec le chef. Donc que le panier reste pas droit, ça c'est mal compliqué. Et on est reparti du coup avec le FPT-03 du coup pour un feu de voiture du coup sur l'autoroute. On a déjà les agents autoroutiers, on a déjà la gendarmerie sur place. Bien évidemment, devinez qui on attend. Bah y'a que nous. Voilà. On attend que nous, donc on va y aller. Je vous avoue, je sais pas par où, mais on va y aller. Je connais pas du tout la route pour y aller, mais bon, c'est pas très grave. Logiquement, je suis quand même sur le bon truc. Logiquement c'est par là. Logiquement, si vous avez confiance en moi, c'est par là. C'est là-bas, c'est le district autoroutier. Là, par contre, on va arriver de l'autre sens, il me semble, c'est sur la voie de... voie d'en face. Voilà. Pas très grave, on verra bien une fois arrivé sur place, ça. Là, on est pas encore. Hein. Même pas du tout encore. Clairement pas. Hop. Ça peut être. Le KFC, toujours avant. On va venir, ah, ça après. Oui, je pense que ça se voit que c'est ici. Ouais, par contre, on est en contresens. C'est bien ce qu'il me semblait. On était pas dans le bon sens. Il y a un passage où on peut passer. Enfin, il y a un trou au milieu de l'autoroute. À passer. Où je le retrouve, il est juste là. On a vu qu'on nous attendait. C'est pas faire semblant. Loin de là, les amis. Très bien, on commence par là. On commence par le rail de sécurité. FPT-03, du coup, arrivé sur place, prenons contact avec la gendarmerie, du coup. Ouais, on va prendre la lance émousseur, hein, parce qu'il faut qu'on était un peu plus rapide. Et on fait un dispo près de la végétation aussi pour éviter que ça parte en sucette dans la VG. Ce serait bien. Bon les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en pompier. Du coup, c'était le sondage qui avait été posé du coup sur l'onglet communauté de la chaîne. Donc vous avez tous répondu, on va dire à peu près à 65% pour du sapeur-pompier. Prochain petit quiz, je vais le faire ici, puis je le reposterai du coup sur ma page du coup onglet communauté. Est-ce que la prochaine fois vous voulez donc soit sur cette carte, soit sur une autre,
de la gendarmerie, une foire, ou alors de la police. N'hésite pas à le mettre dans ton commentaire dans le choix de ta future vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.